Hello, 300 ans que je ne vous ai pas vlogué Et que je n'ai d'ailleurs pas fait de montage. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un masque et en train de faire du sport? Tout simplement parce que je voulais essayer de voir combien de temps je tenais en gainage, le max. Et bah, je tire moins bien qu'avant et ça me fait mal aux épaules et en bas du dos. Donc, du coup, j'ai pas fait mon max. Bref, je voulais vous reprendre tout simplement parce que ça y est, j'ai fini mon contrat, je ne travaille plus. J'ai fini il y a 2 jours. Et là, ce que je m'apprête à faire, bon, j'ai un truc de partiel à faire, mais j'arrête pas de repousser. Ce matin, j'avais hyper mal à la tête, impossible de réfléchir, impossible de travailler. Là, j'ai pris un cachet, ça va un petit peu mieux, ça m'a donné un peu d'énergie. Mais moi, je sais pas vous, mais quand j'ai un truc que j'ai envie de faire, un truc à ranger ou un truc qui est mal rangé et tout, je n'arrive pas à me concentrer. Je pense toujours à ce que je vais faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tri de mon armoire. Voilà, comme ça, je vais mettre. Je vais virer tous les pulls et tout, je vais les mettre dans les tiroirs qui sont sous mon lit. Parce que ça sert plus à rien, là, les pulls, franchement, moi je mets que des t-shirts, ça y est. Hein. Quelques petites chemises et tout, des fois, mais. Donc voilà, je pense que je vais pas vous faire en vidéo accélérée, tout simplement, parce que je n'ai. Si vous avez suivi depuis un moment, je ne retrouve plus mon appareil photo de vlog, donc je ne peux vous filmer qu'avec ça. Sauf que si je filme avec ça, je ne peux plus mettre la musique sur mon enceinte et en fait, ça prend trop de place. Et puis même, je préfère vous faire des petits points par-ci par-là plutôt que de faire tout en accéléré parce que je pense que ça va être très long. Très très long. Et pour le masque que je porte, c'est un que j'avais reçu de chez Sephora. C'est celui à l'argile blanche comme ça. Nettoyant, massifiant, purifié et lisse. Je sais pas si c'est la gamme Clay. Je sais pas. Mais bref, voilà. C'est ce petit masque que j'ai utilisé. Alors, j'ai sorti. Ça, c'est tous mes t-shirts. Il y a plein de trucs que je vais enlever. Mais le problème pour ranger en fait c'est que mes placards sont enfin, c'est hyper profond et du coup genre j'ai des t-shirts d'été, c'est des tout petits trucs, tu les plies, ça prend 7 places. Et le problème c'est que j'avais fait des piles au fond et devant, sauf que en fait c'est le bazar parce que quand je prends au fond, ça pousse devant, enfin c'est n'importe quoi. Donc je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais c'était pas ouf comme c'était rangé quoi. Du coup, là j'ai rangé les pantalons, donc genre là les jean et jean noir. Là, il y a mes maillots de bain. Ça, c'est mes trucs quand je fais de l'aquabike. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ah, j'arrive plus à vous montrer. Là, c'est les autres pantalons, genre. Je sais pas si vous voyez le genre. Là, il y a des foulards. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, c'est des hauts que je ne mets plus. Là, c'est une partie des pulls. Et là, c'est tous les hauts qu'il faut. Que je range. Donc il y a des hauts simples, des t-shirts simples comme ça, c'est facile à ranger. Bon là ils sont mal pliés, mais il y a tous ces petits hauts là, vous voyez ce genre de petits trucs là qui finit toujours n'importe comment. Des hauts avec des matières qui glissent, des petits hauts super fins qui sont trop chiants à ranger. Et bah, je sais pas comment je les range. J'aimerais bien les mettre en mode Marie Kondo dans une boîte et les mettre ailleurs que là-dedans, mais je sais pas, j'ai même pas de boîte qui irait. Je sais rien. Bref. Du coup, je fuis. Et il n'y a rien sur mon lit. Il n'y a rien à ranger. On dirait que je suis malade. On dirait que ça me fait un teint bizarre avec ce. Parce que l'argile est un peu blanche-verte. Du coup, de loin, on dirait que je suis malade. Sinon, mon wifi, c'est toujours le même. Ça ne marche pas. Pour travailler, c'est trop chiant. 3 ans pour accéder à un truc. Franchement, voilà, impossible de se connecter. L'autre coup, ça m'a fait pareil, sauf que j'ai des cours en vidéo à suivre et des trucs à bosser, donc c'est insupportable. Sinon, je sais plus si je vous avais dit, je crois, dans les derniers vlogs, on avait un souci qu'on n'avait plus d'eau chaude. Du coup, j'ai appelé et ils sont venus, il y avait un truc à réparer, un truc à changer, donc ils ont changé un truc dans le chauffe-eau. Nous qui avons payé, du coup, c'est les proprios. Mais ils ont été hyper rapides. C'est juste Nexity qui a mis du temps à leur répondre pour le devis. Donc du coup je crois qu'ils sont venus le lundi ou le mardi alors que je les avais appelés le vendredi et qu'ils sont passés le vendredi après-midi. Sauf que vu que Nexity n'avait pas accepté le devis, et eh ben il avait la pièce, il avait tout, il était chez nous, mais il a dit bah je peux pas. Bref. En tout cas, c'est une chose réglée. Parce que les douches froides, ça allait 5 minutes quoi. Bon, il est 21h. Clairement, le rangement que j'avais fait là-bas, j'ai pas du tout avancé. Comme vous voyez, j'ai rincé mon masque. Par contre, j'ai avancé sur le partiel. Que je dois rendre pour lundi. Donc ça c'est cool. J'ai pas mal à... Enfin j'ai quasi terminé. Je vais laisser comme ça demain matin. Enfin demain matin ou n'importe quand. Je relis tout
et je vois si j'ai des trucs à modifier. Et là, j'ai fait à manger. J'avais des patates qui étaient grave en train de s'abîmer. Du coup, j'en ai coupé, que j'ai mis dans une casserole que je vais faire chauffer tout à l'heure. Je pense que je ferai de la purée demain. Là, il y a de la dinde qui est en train de cuire. Et dans le four, il y a des pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux avec paprika et de l'ail et tout, et de l'huile d'olive. Voilà, ce sera un repas assez simple, mais j'avais vraiment la flemme de faire à manger. Puis quand j'ai vu les patates, je me suis dit, allez. Au début, je voulais commander un truc, mais le truc que je voulais commander n'était pas dispo. Et McDo n'est toujours pas dispo à la livraison. Donc clairement, je ne vais pas sortir juste pour un McDo. Voilà. Sinon, on en parle, les boutons qui sont venus avec le masque. Là, ma peau a l'air de redevenir bien. J'ai pas de gros boutons. Donc là, c'est juste les boutons qui vont partir. Mais genre, j'en avais au niveau du masque, genre là, là, en dessous. Voilà. Parce que porter un masque pendant 10-12 heures, ça donne des boutons de ouf. Donc là, je vais essayer de pas trop me maquiller, genre bien prendre soin de ma peau, en profiter que je suis à la maison et que j'ai rien à faire. Et voilà. Bon, c'est encore en train de cuire. Et là, j'ai décidé de faire une petite fiche. Je vais faire des petites fiches sur des pathologies de pédia. Ce soir, je vais faire la bronchiolite aiguë du nourrisson. Voilà. Ça va servir et pour vous et pour moi, faire des petites piqûres de rappel et des petites fiches sur des petites pathologies comme ça, pour quand je travaillerai plus tard. Voilà, en tant que puéricultrice. Et rien à voir, mais alors rien à voir. Je sais plus si je vous avais dit que je voulais nettoyer mes converses. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un mélange pour les converses, pour la toile, bicarbonate avec du vinaigre blanc. Ça fait un truc qui mousse un peu. Enfin, qui bulle un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, j'ai frotté ça sur mes chaussures que j'ai laissé poser plusieurs jours. Et j'ai mis de la javel. Enfin, trempé mes lacets dans la javel. Et je suis clairement pas satisfaite du résultat. J'avais mis à sécher dehors. J'ai l'impression que c'est un peu... Non, c'est juste que ça doit être froid. Parce qu'il faisait froid. Clairement. Voilà. Donc, bon. Par rapport à ce que c'était avant. Franchement, c'est mieux. Mais il reste encore des tâches, quoi. Il y a des tâches qui partiront pas, je pense. Donc voilà. Je pense que je vais les garder pour les mettre pour les soirées, les trucs comme ça. Parce que bon... Bon, les lacets, ça va à peu près, franchement. Ils sont pas trop mal, mais ouais, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les, comme je vous ai dit, les garder pour les soirées, tout ça. Et j'en rachèterai une paire que je mettrai seulement pour genre pas pour des endroits où ça peut les salir, quoi. En même temps, du blanc, fallait s'y attendre, hein. Donc si vous avez d'autres astuces, parce que du coup, après les avoir mis avec le mélange que j'avais fait, j'ai frotté un peu, je les ai passés à la machine, mais ouais, pas convaincue. Ça y est, j'ai fini la saison 2 de Elite. En fait, j'avais déjà regardé, mais vu que je savais plus où je m'étais arrêtée, j'ai recommencé depuis le début de la saison 2. Là, j'ai fini. Du coup, je vais attaquer la saison 3. Pendant que tout le monde a déjà regardé, mais bon, voilà. Je voulais vraiment bien reprendre. Là, au moins, j'ai tout bien suivi. Il y a plein d'épisodes où je me dis, mais oui, j'ai déjà vu. Mais c'est ça qui est chiant quand les séries ressortent 10 ans après. Enfin, 10 ans, j'ai peut-être l'air, bien sûr. Mais du coup, après, tu sais plus où t'en es. Tu sais plus l'histoire. Quand tu regardes plein de séries en même temps, déjà que moi je suis super nulle pour retenir les personnages et tout. Voilà, bref. J'ai mangé, je fais la vaisselle et là du coup je vais faire la petite fiche que je vous disais. Et je vais essayer de pas me coucher trop tard pour bien reprendre un rythme de jour.